Est-ce que tout d'abord, est-ce que les différents, les 21 personnes qui sont là, m'entendent toutes et tous? Est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez me faire un petit nickel, ça marche ou j'entends pas? Est-ce que tout fonctionne? Comme je n'ai malheureusement pas la chance de vous voir. Nickel. Merci Mélanie. Oui, cela fonctionne. Merci Jackie. Top. Bon, je parle d'un principe que si 2 sur 23, ça fonctionne. Ah, Maël, ça marche. Super. OK. Ce que je vous propose, c'est que nous attendions une ou deux minutes pour que tout le monde soit là, parce que même si c'est un webinaire, il y a toujours, ça reste une réunion. Donc, du coup, il y a toujours un petit décalage entre, entre le début et et invitation. L'avantage que l'on a en physique, c'est que je peux vous poser la question « Avez-vous passé de bonnes vacances ?» et vous pouvez me répondre, mais comme c'est « Merci Robin », mais là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué. Donc, on est bientôt 30. On est bientôt 30. It's working. Donc, et Robin, c'est… Oui, il faut que je parte, c'est un peu confusant. Donc, ce que je propose, c'est que, on est 28, on peut commencer. Donc, la thématique que l'on va faire, donc, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Sébastien Agy, je suis directeur général de TRND France. TRND, c'est une société qui s'est créée en Allemagne il y a une dizaine d'années. Le principe était assez simple, c'était de se dire qu'aujourd'hui, enfin, à l'époque, ils avaient une vision un tout petit peu avant-gardiste de s'interroger sur comment optimiser les chances d'un bon lancement d'un produit, d'un service, et que tout directeur marketing, toute personne soucieuse d'optimiser ses chances de réussite ne pouvait plus seul dans son bureau décider d'un positionnement, d'un pricing, d'une target, d'un marché. Et pour ça, s'il pouvait s'associer ou s'adosser à un certain nombre de feedback des consommateurs ou futurs clients ou futurs aficionados de la marque et du produit, et ben, tout simplement, il optimiserait les chances de pouvoir réussir. Donc, TRND, c'est vraiment construit sur un modèle où, de manière empirique, ils ont développé une communauté à part entière. On pourra rapidement le parcourir par la suite et permettant derrière de mettre le consommateur au centre de la relation entre la marque et le produit. Et du coup, permettre à la marque de mieux promouvoir, de mieux vendre, de mieux engager, bref, d'avoir une relation plus institutionnée avec ses consommateurs ou ses futurs consommateurs. Donc, ça s'est fait au fil de l'eau. On est aujourd'hui, TRND a été l'innovateur et le leader de tout ce qu'on appelle le marketing collaboratif. On est présent dans 18 pays. Aujourd'hui, les principaux pays sont l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et une partie de l'Europe de l'Est. On est une boîte de 200 collaborateurs. Aujourd'hui, on est intégré à, on a été, entre guillemets, racheté notre actionnaire de référence principal, Bertelsmann. Donc en France, on est des cousins d'RTL, d'M6, de Prisma ou de Ligatus, pour ne citer que, ce qui nous permet d'être dans un conglomérat assez global et qui nous permet d'avoir des bonnes perspectives d'évolution, parce que ce qu'on va évoquer, ce qu'on fait et la conséquence de ce qu'on va pouvoir évoquer ensemble, qui est le brand content, va dans ce sens et va dans le sens de notre activité. Donc, pour commencer, le brand content, avant de démarrer, on va vous faire un petit sondage. En gros, en disant aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une véritable défiance médiatique qui se pose, parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans une recommandation et dans la perception des contenus. Donc, je voulais juste poser une rapide question. Quels sont, selon vous, les médias qui subissent la plus grande défiance aujourd'hui? Donc, vous avez un sondage ouvert sur votre panneau d'accueil. Est-ce que je vois la réponse? Est-ce que je vois la réponse? Non, je ne vois pas la réponse. Ah, je dois peut-être partir, il faut que je clique dessus. D'accord. Ok, donc je clique ici pour voir qui a levé la main. Sondage, ok, donc je clique là-dessus.
Voilà. OK. Donc, 36% de courriers répondus, 36% Internet, 9% radio, 13% presse, 43% télévision. Donc, en fait, on a récupéré une étude de Kantar cette année, 2017, pour dire que le support le moins prisé, entre guillemets, ou celui qui génère le moins de confiance, c'est le canal digital. Ensuite, on a la télévision, 41%, 44% pour la presse, et le média auquel on croit le plus va être la radio. Ça s'explique notamment par le côté instantané de la radio à ce niveau-là sur sa manière de réagir par rapport à l'actualité. Alors, qu'est-ce que ça induit clairement par rapport à notre activité, par rapport à ce qu'on évoque, c'est que du coup, près de 80% des gens font confiance à leur père. C'est une étude Nielsen Smart Focus qui a été faite, je ne sais pas, entre 2015 et 2016. Aujourd'hui, on est véritablement sur une approche où la recommandation des pères rentre dans le quotidien des gens et qui est en plus développée ou renforcée par le fait qu'aujourd'hui, grâce aux nombreux outils qui sont mis à notre disposition sur la toile, près de 9 consommateurs sur 10 renforcent leur position, renforcent leur avis en se renseignant sur la toile avant d'effectuer un achat. Donc on est véritablement sur un partage, ça peut être du one-to-one, du one-to-many, et là-dessus, il y a véritablement un écosystème qui se construit. Ce qui était important pour nous aujourd'hui était de comprendre quelles étaient en fait les raisons du boom du brand content par rapport à la publicité dite traditionnelle. Donc, on va voir les fameux canaux que tout le monde connaît. Aujourd'hui, la partie native advertising, qu'on appelle le paid, ce que vous payez pour promouvoir les produits et services, c'est la première brique. La deuxième, c'est le brand, qui va être comment une marque va s'adosser à une ligne éditoriale d'un média, par exemple, pour pouvoir promouvoir ses produits et ses services. Et le earn, qui est cette apparition qui a maintenant une bonne dizaine d'années sur la notion du UGC, les User Generated Content, qui va permettre en fait à la marque de s'appuyer sur l'ensemble des contenus qui vont être développés par leurs consommateurs, par leurs fans, pour pouvoir s'appuyer sur ce contenu-là pour pouvoir le promouvoir. Et ça, les chiffres sont assez impressionnants. On a pu se rendre compte que l'impact publicitaire a été multiplié par 7 par rapport aux canaux dits traditionnels. Donc c'est quelque chose sur lequel les marques sont de plus en plus enclins à travailler pour justement promouvoir de meilleure façon leur marque. Alors ça pose également un problème sur le fait que aujourd'hui l'évolution du brand content elle est véritablement à mi-chemin entre ce qu'on pourrait appeler le product story, le people story. En fait, on est plus sur une notion de user centric. Aujourd'hui, c'est véritablement remettre le consommateur, quel qu'il soit, sans jugement de valeur, sans chaque marque, chaque marché, chaque typologie de produits et services peut trouver son bon relais, et on va le voir par la suite. Et dans les bons relais, en fait, les acteurs, globalement, il y a deux familles. La première, vous avez ce qu'on appelle communément les influenceurs, les blogueurs ou les blogueurs, en fonction des médias sur lesquels ils sont. Et ensuite, vous avez un terme qui, pour nous, est un tout petit peu calvaudé, qu'on appelle les ambassadeurs, et que nous, on a rebrandé co-marketeur. On verra par la suite, en termes de caractéristiques, on est sur une appellation plus… nous sommes sur des caractéristiques qui sont plus précises. Alors, le distinguo entre les influenceurs et les marketeurs, en fait, il est assez simple. Le premier, les influenceurs, clairement, c'est s'appuyer sur la légitimité ou la portée qu'ils peuvent faire grâce à leur résonance médiatique. Ça, c'est la première chose. La deuxième et la contrepartie, c'est que ces gens-là ont souvent des rémunérations et des incentives assez élevés qui peuvent poser la question de l'objectivité ou du manque de subjectivité qu'ils peuvent avoir quand ils font la promotion ou quand ils relaient un produit ou un service. Et c'est clairement la limite de l'exercice. Donc, vous avez du ciblé ou du mass market versus de la rémunération. Alors que la notion de co-marketeur pour nous, c'est un engagement fort envers une marque et son développement. Donc, très brièvement, un co-marketeur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui
prend ça comme un véritable hobby à part entière, premièrement. Deuxièmement, qui a une véritable notion d'appartenance à une communauté. Trois, qui a également la responsabilité un peu sur un mode de fonctionnement consommateur-citoyen. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on sait que les grandes corporations vont gagner. Et c'est juste un constat, il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose. En revanche, si à notre humble niveau, de manière individuelle, et si on arrive à les synthétiser de manière globale, si on est capable de remonter à ces marques-là, bah, les produits ou les services qu'ils produisent sont des... il faut les améliorer, les modifier pour que nous puissions mieux nous en servir. Bah, du coup, tout le monde est gagnant. Le consommateur, parce qu'il a un produit qui correspond mieux à ses attentes. Et les grandes marques, bah, ils peuvent du coup créer de l'engagement, créer de la fidélité et donc mieux vendre. Et le dernier point qu'on a mentionné, c'est qu'il n'y a pas d'incentive, il n'y a pas de rémunération. Donc, il n'y a pas de problème d'objectivité de la part de ces co-marketeurs quant à leur prise de position ou à leur remontée d'insight, de verbatim et autres UGC. Alors, à partir du moment où on a vu les deux univers, on a voulu, pour vous illustrer un tout petit peu nos propos, vous prendre trois cas qui sont assez représentatifs aujourd'hui de ce qu'on est capable de faire, ou de comment on est capable de détourner le positionnement d'un produit pour mieux le promouvoir. Donc, on a pris un premier exemple qui était Huawei, aujourd'hui, en 2016, qui a, donc Huawei, constructeur de téléphone, bien sûr, qui a voulu sortir un peu des sentiers battus et positionner son nouveau téléphone sur comme une marque emblématique de la photographie dite mobile. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une plateforme. Ils se sont adossés à des photographes professionnels qui ont développé des tutoriaux pour les utilisateurs. Ils en ont fait la promotion et cette promotion a généré plus d'un million de visiteurs uniques et les gens qui sont allés sur cette plateforme ont produit, développé un certain nombre d'UGC grâce à l'appareil photo Huawei et ça leur a permis également à la marque de détecter des nouveaux besoins et d'être plus à l'écoute de leurs consommateurs et d'être donc de créer du coup de la proximité vis-à-vis d'eux. Donc c'est véritablement quelque chose qui a été important pour eux parce que bien sûr il y a le côté technologique, mais à partir du moment où il y a eu une caution dans un univers dédié qui était la photographie, ils ont réussi à sortir de là où on les attendait. Le deuxième exemple qu'on a voulu prendre est un exemple homemade, entre guillemets, qu'on a fait avec la marque Vit, où là, clairement, c'était à l'occasion d'un lancement d'une nouvelle bande de cire. On a créé un certain nombre de vidéos tutoriels au travers de vlogueuses qu'on a postées sur la chaîne YouTube de Vit. Elles ont généré un certain nombre de VU, plus de 50 000. Ça a également généré de l'engagement au travers de la recommandation. Et derrière, ça a permis également d'enrichir le contenu. C'est-à-dire ces UGC, ces User Generated Content vidéo, pour le coup, ont permis d'enrichir la chaîne Vite et donc du coup de promouvoir différemment le produit. Donc on était vraiment véritablement sur une notion de marketing expérientiel. On va d'ailleurs voir sur l'exemple suivant. Et le dernier point qu'on voulait évoquer, c'était l'aventure du constructeur Wevan. Wevan qui a été donc qui est un constructeur de camping-car. Donc plutôt que de partir sur les fonctionnalités, j'ai un bel habitacle, j'ai un gros moteur, j'ai de la clim, j'ai la télé, ainsi de suite. Ils ont voulu véritablement détourner cela. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné pendant 6 mois un van à un couple. Avec l'engagement de ce couple d'alimenter un blog en continu, d'accord. Donc, ce qui a généré un certain nombre de plus d'un million de contacts sur les réseaux sociaux. À partir de l'ensemble des contenus générés, ça a généré un livre, la création d'un livre. Et donc, cette drive, your adventure, qui a été fait à partir de ce blog, ils ont pu, avant même le lancement du bouquin, ils ont pu observer plus de 20% d'augmentation des vannes, plus de 20% pardon, de l'augmentation du nombre de ventes des vannes. Donc, ça c'était extrêmement smart de leur part. Et derrière, du coup, ils ont pu communiquer au travers du produit, effectivement, sans effet publicitaire. C'est-à-dire qu'ils ont détourné le côté technique, automobile, technologique, en un côté voyagiste. Et donc, du coup, ils se sont véritablement positionnés sur une notion de voyagiste et non pas sur un vendeur de camping-car. Ce qui a permis, effectivement, de promouvoir les caractéristiques du van de façon différente.
Donc, c'est voilà trois exemples assez symptomatiques, assez représentatifs de ce qu'on est capable d'observer aujourd'hui dans l'univers. Et enfin, pour terminer, je dirais, on voulait juste marquer en termes d'évolution, quelle était selon nous l'évolution du brain content pour les années à venir. Donc, pour nous, on en a aujourd'hui identifié trois. La première, c'est l'intelligence artificielle, où on sait qu'elle va favoriser forcément les échanges entre les marques et les consommateurs. L'exemple qu'on a voulu prendre, c'est Jab. Donc Jab, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un chatbot qui est inséré à Facebook Messenger. C'est un système qui permet ni plus ni moins, pour une cible très identifiée qui sont les millennials, d'indiquer tous les bons plans, les bons musées, les bonnes sorties, les bons restos, les bons plans à avoir. Donc on est sur Facebook et on pose directement la question à Jam. Et en fait, Jam propose d'insérer du brain content directement dans son chatbot, donc du coup d'être capable de remonter en live auprès des internautes qui, sur Facebook, interrogent Jam sur les bons plans à suivre. Donc il y a véritablement une interaction assez forte. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce qu'on observe là de manière extrêmement pointue serait la prochaine forme d'application qu'on peut retrouver sur l'ensemble des smartphones adossés à des réseaux sociaux. Peut-être, c'est des choses qui sont en tout cas à l'étude et qu'on a pu observer. Le deuxième élément qui est extrêmement probant pour nous, c'est ce qu'on identifie en tant que co-création. Donc la co-création, c'est véritablement s'appuyer sur de la personnalisation de contenu pour optimiser éventuellement le lancement de nouveaux produits. L'exemple qu'on a mis en avant a été la plateforme Ideas for Ideas, pardon, de Lego, qui en fait, qu'est-ce que Lego a mis ? Lego a fait un appel, entre guillemets, à candidature, permettant à l'ensemble des fans de Lego de déterminer quel serait le prochain jouet emblématique de la marque. Donc du coup, ils ont créé une plateforme, il y a eu plus de 600 000 membres qui sont faits, et pour que le projet retenu soit commercialisé, il fallait qu'il y ait plus de 10 000 votes. Donc l'orchestration était assez simple. Du coup, comme vous pouvez vous en rendre compte, ils ont sélectionné une réplique du petit robot Wally comme un des jouets qui allait être le jouet commercialisé par Lego. Cette interaction, du coup, crée quoi ? Crée de l'empathie, de la sympathie, de l'engagement par rapport à la marque. Avec bien évidemment tout ce que ça peut générer derrière en marketing sur la proximité entre les consommateurs ou les futurs consommateurs et la marque. Le dernier, c'était ce qu'on appelle SEALS, qui est véritablement la démultiplication de la caution des consommateurs pour générer de la conversation. Et ça, là-dessus, on est relativement bien placé parce qu'aujourd'hui, on est là-dessus le club des ambassadeurs de Nestlé. Il se trouve que TRND gère le club des ambassadeurs. Donc en fait, c'est une plateforme dédiée permettant à chacune des marques du club des ambassadeurs de mettre en avant une campagne, d'avoir un blog conversationnel pour permettre aux consommateurs et à la marque d'échanger, qui est bien évidemment monitoré et qui va permettre d'ailleurs de générer un certain nombre d'échanges, d'amélioration du produit. Donc c'est véritablement un véritable écosystème, je veux dire véritablement écosystème que l'on met à disposition en marque blanche pour Nestlé, permettant du coup de créer de l'engagement et de la conversation sur les différents produits du club d'ambassadeurs.